Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Sully Prono. Vous avez été nombreux à me demander qui c'est ton pronostiqueur, comment tu fais pour gagner de l'argent avec les pronostics, etc. C'est Sully Prono. Ça fait des mois et des mois que je le suis et grâce à lui, j'ai encaissé des milliers d'euros. Vous avez bien entendu, j'ai encaissé des milliers d'euros. Avec Sully Prono, vous avez pour 1 euro accès à tous les pronostics, donc profitez-en, c'est 1 euro symbolique. Vous n'avez rien à perdre si ce n'est qu'un euro. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfait. Le lien de son Telegram est en description. Pour jouer, il faut être majeur et non mineur. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao. Moi, je me déboutonne ça, toi tu déboutonnes tout. Quoi? Ouais. Je me déboutonne là. Ouais. Donc là, tu voudrais que moi je me déboutonne ouais. Là, comme ça maintenant. Mais il y, y a ton copain là-bas. Mais ça va, ça c'est pas grave, on s'en fout. Salut internet, c'est Kamov. Je suis en compagnie aujourd'hui de nos amis Fafouné du Ghetto. Sa chaîne YouTube est en description et elle s'affiche à l'écran. Nous sommes aussi avec Nathan qui est le fils de Natouné. On dirait plutôt que c'est le père, mais bon. Et on est avec notre ami Kevin Marin. Son Instagram s'affiche en dessous. Vous pouvez le rajouter aussi sur Insta. Aujourd'hui, il est avec nous parce qu'il va nous servir de garde du corps comme on a des corps de lâche, moi et Fafa. On ne sait jamais. Il peut toujours servir le garçon. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai mis une annonce sur le bon coin en disant que je vendais un enfant. L'enfant en question, c'est Nathan. L'annonce, elle n'est pas restée plus de 2 minutes en ligne parce que traque les fausses annonces, les annonces comme ça et tout. On a réussi quand même à la mettre en ligne et en 2 minutes, on a reçu beaucoup d'appels. On a donné rendez-vous à une personne qui va venir tout à l'heure et on va voir comment elle réagit et si vraiment elle va aller au bout pour acheter Nathan. Après, on lui donnera une petite sentence parce qu'acheter un enfant, je trouve pas que ça soit trop catholique ni trop légal. Voilà, donc on va y aller, on va se rendre sur les lieux avec Nathan. Fafa et Kevin resteront derrière la caméra avec Fantin au cas où ça dégénère. Donc on y va, le mec doit venir dans une heure. C'est parti, bonne vidéo à tous. Bon là les amis, on est sur le lieu de rendez-vous. La personne ne devrait pas tarder à arriver parce que je l'ai eu au téléphone il y a 5 minutes. Et il ne devrait pas tarder, donc on attend. D'un côté j'espère que c'est une blague, mais d'un côté j'espère pas. Parce que si c'est une blague, ça veut dire que bon, il n'y a pas de détraqué, il n'y a pas de vidéo. Mais si c'est pas une blague, ça craint. Donc on attend ici et on va voir dans combien de temps il arrive. Il y a un mec qui arrive, bon. N'aie pas peur, ok? Je vais être un peu autoritaire avec toi, mais c'est pour faire croire que... Hein. C'est vous, Salut, moi c'est Anthony. Nathan. Du coup, voilà, je te donnais rendez-vous ici parce que... Au moins, il n'y a pas de monde, il n'y a personne, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un peu chaud. Tu as l'argent sur toi ou... Ouais, l'argent, il est dans la voiture, là-bas. Il est dans la voiture? Ouais. Pourquoi tu peux pas venir avec l'argent? Mais d'abord, je voulais voir le petit, là. Est-ce qu'il est bien, là? Faut voir un peu. Les organes et tout, il y a tout qui est en ordre. Ouais, mais il y a pas de maladie, des trucs bizarres. Hein. Non, non. Diabète. Non. Il a pas été reconnu en plus, donc c'est nickel. Ok, t'appelles comment toi? Nathan. Ouais, Nathan, j'ai bien compris, hein, Nathan. Toi, tu vas faire quoi pour les enfants? C'est pourquoi tu veux l'acheter? C'est trop bien ça. Non, je te pose une question normale, pourquoi tu t'énerves pas, frère? Je suis en train de te faire affaire, je te pose des questions, c'est normal. Non, la première règle, c'est qu'on pose pas de questions. Tu vois, le petit, il vient avec moi. Petit billard, Roumanie, hein, voilà, pour les vacances, tranquille. Ok, ben. Moi par contre il me faut l'argent. Je m'en fous. Je peux te le laisser, j'ai les papiers et tout, y'a pas de problème. Là il vient avec moi et après dans la voiture tu me suis et voilà c'est bon. Et il est utile en même temps petit là. Bah ouais ça va. Là, on a là, tu sais faire le ménage et tout. Ouais. Je te parle. Tu sais faire le ménage. Ouais, il fait le ménage. Mais après le ménage, il va pas le faire longtemps, tu vois, mais ce petit tant qu'il est efficace, tant que tout va bien. Bon écoute, viens avec moi petit. 1000 euros c'est bon. Comme ça. Non, on n'a pas 10 000, poto, tu rigoles ou quoi? C'est quoi ton prénom, Yuri? Ouais. Non, mais on n'a pas 10 000. Ouais, là, il n'a pas l'air en forme, il n'est pas plus de 1000. Hein. 1000 euros, c'est bien. Donc, fais un effort, montre un peu que t'es en forme. T'es en forme? Ouais. T'es en forme? Voilà, il est en forme. T'es en forme? Mais c'est chier! Non. Bon, 1005, dernier mois, c'est bon ou pas? Non, 1005, je peux pas. J'ai reçu beaucoup d'appels. Mec. Et à la base, je voulais le vendre 10 000 euros, le petit, moi. 10 000 euros? Bah, bien sûr. Tu veux pas être un peu plus énergétique, toi aussi? Quoi? Tu veux pas être énergétique? Et parce que tu as pris, il dit que tu es fatigué. Sois un peu plus en forme. Après, le mec il va pas vouloir t'acheter, moi je fais comment? J'ai pas de sous après. Je sais pas. Et ouais, tu sais.
Il va bien s'occuper de toi, lui, t'inquiète pas. C'est sur ton nom, on va bien s'occuper de lui. T'inquiète. Si on fait tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à vendre et tout sur lui, on va pas faire assez de business. Donc faut qu'il baisse les prix, sinon c'est mort. Sinon c'est mort pour aujourd'hui, il faudra prendre un problème. Ok, bon, j'ai rien à cacher, hein. Je pense que j'ai entendu, moi c'est trop cher. Il n'y a pas assez de bénéfices. Non, mais moi, tu vois, 1005, elle est max 2000. Max 2000, après, c'est trop cher. Frérot, ça se compte à 2000 euros, je te le donne, alors, c'est cadeau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2000 euros? Écoute, le groupe sanguin, c'est important. Hein. T'es au plus? Oui, il est au plus, lui. Ok, bon, c'est parti, ok. Au plus. Ouais, on peut monter. Compatible. Ok. Alors, combien? Écoute. Déjà, moi, frérot, on va arrêter de discuter. Tant qu'il n'y a pas l'argent, j'arrête de discuter avec toi. J'ai pas discuté, t'as pas d'argent, t'as les poches vides. Non, moi, il est tout dans la voiture. Non, ouais. Moi, le petit, t'as vu, je t'ai pas dit, il est dans la voiture, il est avec moi. Tu sais, nous, en Roumanie, on est comme ça. C'est genre les affaires, on est carré. Là, il vient avec moi, le petit, on part dans la voiture. Non, non, poteau, tu rigoles quoi? Je peux te le vendre. Non, je te le vends pas 5000. Je peux te le vendre 9000, mais pas 5000. Donc là, tu fais pas mon temps en fait. Mais toi aussi, je me fais pas mon temps. Tu crois quoi? Tu crois que ça m'amuse de prendre le petit avec moi? Et moi, tu crois que je me déplace pour rien en fait? Viens avec moi, je te donne l'argent. Non. Viens. Non. Pourquoi? 10 000, parce que non, 10 000, c'est comme ça. Vas-y, 10 000, vas-y, viens. Bah, donne-moi les 10 000. Mais viens avec moi à la voiture, viens. Non. Lâche-le. Moi, j'ai pas à perdre mon temps avec un Français de. Comme toi là. C'est quoi ça? J'ai un Français, c'est quoi cette mentalité là? Je connais pas moi ça. Moi, dans mon pays, ça se passe pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, viens, attends, ça va. Comment ça? Mais attention à ce que tu veux dire. Moi, viens avec moi. Tu peux être costaud ce que tu veux dire. Je te dis 10 000, c'est bon. Non, y'a pas 10 000. Pourquoi y'a pas 10 000? Parce qu'y'a pas 10 000. Eh ben, sors-moi les sous. Attends. Regarde ici, regarde. Putain, je suis sur le sol, je suis carrément. Oh, va la caméra, va derrière la caméra. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, muscade? Attends, on va régler les comptes. Écoute-moi, tu vas rester là maintenant et on va discuter toi et moi. On va t'amener au commissariat, je te le dis. Bon, ouais, écoute-moi, tu sais quoi? Si moi je fais pas la livraison, dans une heure je suis mort et vous êtes mort aussi. Ah bon? Ouais, mon père. Ah ouais? Ouais. Eh ben, tu sais quoi, tu vas venir avec nous, on va changer d'endroit, allez. On reste pas ici parce que ça veut dire que les autres qui s'en vont, on est. Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Oh, moi, je suis prends le téléphone. Prends le téléphone. Prends le téléphone. Enlève la géolocalisation, pète-le, je sais pas, jette-le. Bon, écoute-moi, tu sais ce qu'on va faire maintenant? Là, on a changé d'endroit, personne ne saura où t'es. On a éteint le téléphone. Maintenant, tu vas m'expliquer ton réseau, là, bizarre. Il y a toutes les coordonnées dans le téléphone? Moi, je vais t'expliquer, moi. Ouais, tu sais que moi, si je t'explique un truc, moi je suis mort, je vais rien t'expliquer du tout. C'est quoi cette caméra là? C'est quoi ça? Ça, c'est filmé, hein. T'es filmé là. Ah, parce que là, tu me filmes. Dans tous les cas, soit tu vas en prison, soit les Roumains s'occupent de toi. Et tu crois que tu vas finir vivant en me filmant, toi? Tu vas rigoler, oui. Ouais. Et toi, tu crois que tu vas finir comment? Et moi, je m'en fous, moi. Tu crois que le petit Français là, il va me faire quoi? Il va me tuer, il va m'exécuter, tu crois que quoi? Par contre, tu veux dire là, j'ai été filmé, ça veut dire quoi? Tu as filmé avant aussi? Oui. Ok, attends. Là, tu as filmé avant? Oui. Tu as filmé avant. Je te laisse parler. C'est de la viande. C'est de la viande, toi, du cul? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ton fils? C'est mon fils, ça! L'italien, c'est ton fils? Ouais, qu'est-ce que c'est de la viande? Tu as sérieux ou quoi? C'est de la viande. Tous les enfants, c'est pas de la viande, qu'est-ce que tu racontes? Écoute-le, ferme ta gueule. Mais tu manges une vache, c'est pas de la viande, ça? Ouais, et c'est pareil. De la viande aussi, écoute-le. On va t'amener au commissariat. Tu donnes le téléphone. On va donner le téléphone au commissariat. Et c'est bon, basta. Une chose que tu fais, tu es malade. T'es, je croyais pas que ça allait en arriver là, moi je pensais pas qu'il y avait un mec qui allait venir déjà. Gros, ils vont remonter tout le réseau avec le. Mais heureusement que vous êtes là, hein. Heureusement que vous êtes là tous les deux. Sinon j'aurais pas pu le tenir tout seul, impossible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, on va l'amener au commissariat. On donne le téléphone. Oui, mais avant toute chose, on lui fait la petite touche camoff quand même. Hein, pour la histoire de. Juste pour la vidéo. C'est quoi la touche camoff? Bah tu verras. Je crois que t'es pas bien déjà ta touche là. Ouais. Tu vas mener au commissariat, c'est pas possible. Ta gueule, parce que sinon tu vas prendre. Tu sais qu'il y aura des répercussions, hein. Si tu fais la touche, comme on te dit, est-ce que tu nous obéis, on t'amène pas au commissariat. Toute votre tête là, tu crois que je vais l'oublier? C'est ce que je te dis? Tu crois que je vais l'oublier? Si tu nous obéis. M'en bats les couilles. Si tu nous obéis. Si tu nous obéis, on t'amène pas au commissariat, on te relâche. Ouais. C'est bon? Ouais. Ouais, pas la vidéo. Si je prends pas 10 ans, je te jure, et je le dis à la caméra. Si tu fais ce qu'on te dit, tu acceptes, on t'emmène pas au commissariat. Ouais. On ne t'emmène pas au commissariat. D'accord.
Ah bah écoute, je m'en fous, la sécurité de 10 ans, je fais n'importe quoi. T'es prêt, c'est bon? Ah, bien sûr. Bon, bah on va... Ouais, ça va, ok. On y va les gars. Je peux faire un petit truc avant? Mets-moi à mon téléphone. Tu sais c'est quoi que j'aime bien? C'est quand tu es attaché juste. Ça c'est la pire torture ça. Je peux récupérer mon téléphone s'il vous plaît, j'ai un peu de colère. Ah ouais, bien au milieu là. Je peux récupérer ou pas? Non. Non. Je croyais qu'on avait marché. Il appelle pas. Attends, le marché c'était quoi? Le marché c'est, je t'ai dit, je t'emmène pas aux flics. Je m'emmène pas aux flics. Je t'emmène pas aux flics. Mais on l'appelle. Mais c'est les flics qui viennent à toi. Mais c'est les flics qui vont venir à toi. Mon fils, je t'appelle pas les flics, hein. Ah si. Et que je crois qu'on avait marché. Vous avez composé le 0-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